Alors, ça n'est pas fini, ça commence. J'ai mon café à la main, j'ai mon café à la main. Michel qui nous demande est-ce qu'on est là maintenant? Oui, non, 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 on n'est pas perdu, ne vous inquiétez pas. Non, j'étais parti dans la cuisine me faire un café rapidement. Payal, pardon, qui nous dit c'est fini. Non, c'est pas fini. Nous continuons. Judith est là, bonjour à nouveau Judith. Vous avez bu votre café. Ah, moi je suis encore sur mon café, je travaille dessus. Alors, on va attendre une toute petite minute peut-être, et puis on va commencer. Ne vous inquiétez pas. Bon, on va y aller. Nous pouvons commencer, je pense. Alors, avant d'attaquer l'exercice, Beryl est là, d'attaquer l'exercice que nous avions commencé, on va faire comme d'habitude. Comme d'habitude, à vous la parole. Hier, j'aurais dû. Si vous n'êtes pas habitué à cette forme, j'aurais dû, c'est ce qu'on appelle du conditionnel. Passé, c'est pour exprimer le regret. J'aurais dû faire quelque chose, mais la réalité, c'est que je ne l'ai pas fait. D'accord? Donc hier, j'aurais dû essayer d'imaginer une phrase, s'il vous plaît. Merci. Alors, Julia nous demande, mais quelle est la construction qu'elle tend après dû? En fait, ça va juste être un verbe à l'infinitif qu'on va mettre après. C'est-à-dire, hier, j'aurais dû travailler. Hier, j'aurais dû finir quelque chose. Hier, j'aurais dû parler à quelqu'un. Donc, c'est vraiment une structure assez basique, avec juste un verbe à l'infinitif. Alors Judith, faites attention Judith, parce qu'en fait, vous devriez mettre un verbe à l'infinitif, comme j'ai dit à Julia. Regardez donc votre phrase hier. J'aurais dû, et là vous pouvez utiliser le verbe faire, d'accord? Hier, j'aurais dû faire beaucoup de. Alors faites attention, Judith, quand on utilise beaucoup, on va utiliser juste de après. On ne met pas le pluriel. Donc, hier, j'aurais dû faire beaucoup de quiz ici. D'accord? Et là, c'est parfait. Alors, Michel nous dit, hier, j'aurais dû arracher quelques mauvaises herbes dans le jardin. Faites attention, Michel, c'est jardin, il n'y a pas de E à la fin, car tout commence à pousser déjà. Ben oui, c'est normal. Est-ce que c'est le printemps? Est-ce que c'est pas encore l'été? Non, c'est pas encore l'été. Berilla nous dit, hier, j'aurais dû faire tout ce que je n'ai pas fait la veille. Ouf.
Alors ça, c'est magnifique. Magnifique structure. Payal nous dit, hier, j'aurais dû manger beaucoup. D'accord, très bien. Le regret ultime. Julia, hier, j'aurais dû travailler, mais je m'amusais avec le français. Eh bien voilà, très bien. Juste, j'aurais A avant le U, hein, s'il vous plaît. Jardin sans S, nous dit Michel. Anthony, j'aurais dû faire tout ce que je n'ai pas fait la veille. Ah, alors, Anthony cite Berilla, apparemment. Berilla, vous devenez une sorte de philosophe que les gens vont citer comme ça. Très bien. Bon, est-ce que tout le monde a écrit une phrase? Si c'est le cas, nous allons continuer avec, comme d'habitude, une petite photo. Décrivez cette photo, s'il vous plaît. Alors, Mary qui nous dit, hier, j'aurais dû dormir. Ben écoutez, c'est parfait, Mary. Abir qui nous dit, hier, faites attention, Abir, hier, H-I-E-R. Hein. J'aurais dû faire, Abir, infinitif. J'aurais dû faire, F-A-I-R-E. D'accord. Hier, j'aurais dû faire du sport et acheter mon médicament. C'est parfait. Payal qui nous dit. Ah, donc Payal, il est déjà dans la description de la photo. Alors Payal nous dit, cette photo me dit que la, faites, ouais, n'oubliez pas l'article, hein, la liberté n'est, né, vous avez oublié la première partie de la négation, n'est pas très loin. Et faites attention, loin, c'est O-I-N. Sinon, c'est lion et c'est un animal, Payal. Donc, cette photo me dit que la liberté n'est pas très loin. Judith qui nous dit, elle. Ouais, toujours la même chose, Judith. Pas de verbe être, s'il vous plaît. Juste le verbe jouer que vous conjuguez, elle joue avec masculin un parapluie. Payal, Payal, vous, oui, d'accord, c'est bon là, vous l'avez dit, oui, loin. Michel nous dit, la jeune femme s'entraîne en faisant de la danse moderne et elle est très élégante. Oui, faites attention, Michel. Souvenez-vous, en français, danser ou danse, c'est avec un S. Cindy nous dit, elle est une femme avec une sombrilla. Ouais, faites attention, Cindy, on dit plutôt, soit c'est un parapluie, hein, et je pense que là c'est plutôt un parapluie, oui, un parapluie qui protège de la pluie. Abir, la jeune fille a un rêve de voler, c'est parfait. Annabelle, cette femme tombe à l'amour. Alors faites attention, l'expression c'est avec donc tomber, et en général on va mettre amoureux ou amoureuse. Ici ce serait le féminin, cette femme tombe amoureuse. Alors Julia nous dit c'est la photo de femme avec un parapluie, mais ce n'est pas vraiment clair pourquoi, avec un U, P-O-U-R, pourquoi elle a besoin de ce parapluie, parce qu'il. On enlève le e et on met l'apostrophe ne et le verbe Julia c'est pleuvoir et on le conjugue juste à la forme il pleut P L E U T. Pluie c'est le substantif. Donc il ne pleut P L E U T pas. Merci. Berilla nous dit il y a un mur de briques jaunes. La fille a un parapluie marron
Essaie-t-elle de voler? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Victoria, elle est très contente, elle veut danser sous la pluie. C'est parfait pour la phrase. Dikonès qui nous dit, cette femme joue avec... Attention, Dikonès, c'est parapluie, c'est masculin. Un parapluie. Très bien, Mary, donc cette femme essaie de voler. Essayer de faire quelque chose. Cette femme essaie de voler avec un parapluie, c'est parfait. I just called une femme avec un parapluie. Peut-être qu'elle danse. Oui, Diane, elle va attraper son parapluie. Ben écoutez, c'est parfait. Je pense que tout le monde, j'imagine, hein, tout le monde a écrit. Attendez, j'attends un peu. Non, je pense que c'est bon. Alors, youpi youpi. Tenzin. Tenzin, elle poste pour prendre une. Ah, faites attention. Oui, c'est pas elle poste, mais c'est elle pose. Le verbe c'est poser. POSER. Et donc, quand vous conjuguez, elle pose. POSE. D'accord. Payal, quel dommage, je dois travailler maintenant. Au revoir. Bienvenue, oui, Payal. Rejoignez-nous avec plaisir et bon courage pour votre travail, Payal. Alors attendez maintenant, on va faire un petit exercice comme on avait fait hier. Nous allons faire des dictées de phrases. Alors j'espère que techniquement ça va fonctionner. D'accord, donc on va commencer avec la première phrase. Je vais lire les phrases deux fois. Vous écrivez la phrase et nous regardons. Première lecture. C'est la mauvaise réponse. Deuxième lecture. C'est la mauvaise réponse. Écrivez la phrase. Alors, vos réponses commencent à arriver. Abir, c'est bien. Yulia, c'est bien. Cosmina, c'est bien. Ashley, c'est bien. Ah ben Ashley, il est venu pour les dictées. Hein. Je le savais que j'allais le faire venir avec les dictées, Ashley. Tenzin, c'est bien. I just called, c'est bien. Annabelle, c'est bien aussi. Berilla, attention, Berilla, c'est comme vous voyez. Alors, attendez. Oui, excusez-moi. Je vais vous le mettre comme ça. Voilà. Donc vous voyez, hein, c'est la mauvaise réponse. C'est, vous l'écrivez, hein, C apostrophe EST. C'est la mauvaise réponse. Victoria, faites attention, c'est la même chose. Regardez le C apostrophe EST. Judith, pas de problème. Judith, attention à votre adjectif. L'adjectif mauvais. En fait, vous mettez au féminin mauvaise avec le E à la fin, d'accord? Save the best, c'est bien. Michel, pas de problème. Alors, grâce ou grace, c'est bien aussi. Ice Cubes, ouais, faites attention à Ice Cubes. Mauvaise, c'est MAU. Hein, mo, mauvaise réponse. Yasmine, c'est la mauvaise réponse, c'est bien. Cindy, pas de problème. Anthony, c'est parfait aussi. Victoria, corrigé. D'accord, bon, ben, je pense que tout est clair. Alors, regardons, bien sûr, comme d'habitude. Toujours des problèmes avec cette chose terrible. Regardons maintenant l'autre. Ah. Ça va être vraiment la bagarre. Alors, une petite seconde. C'est ça quand on utilise des choses qui viennent de partout. Hop là, voilà.
On va faire comme ça et on va faire comme ça. Alors, donc nous étions ici, c'est la mauvaise réponse. Deuxième phrase, excusez-moi pour les petits problèmes techniques, mais c'est habituel. Première lecture. Je sais qu'elle le fait. Deuxième lecture. Je sais qu'elle le fait. Allez-y. Alors, je vois que vos réponses commencent à arriver. Regardons et analysons, s'il vous plaît. Berilla était en première position. Je sais qu'elle le fait. Et regardez, c'est formidable parce que si vous comparez votre version et la mienne, eh bien, c'est exactement la même. Alors, il y a certaines personnes qui ont fait des erreurs. Regardez à l'écran maintenant et comparez avec votre forme. Donc je sais, je crois que la majorité des personnes l'ont trouvé. Ça, c'était pas un problème. L'idée, c'est qu'on va utiliser après je sais que. D'accord? Donc ça doit être que. Et après, elle le fait. Vous entendez fait, vous n'entendez pas faire. Hein? Et on est obligé de le conjuguer parce que le sujet c'est elle. Elle le fait. Donc, je sais que le e va disparaître, apostrophe, elle, le, et vous conjuguez votre verbe faire, F-A-I-T. Je sais qu'elle le fait. Je suis en train de regarder ce que vous mettez. Non, c'est à peu près correct. Bon, alors, oui. Donc, quel, on est d'accord que c'était QEL. Tout le monde. Je pense que c'est à peu près bien. Oui, faites attention, Anthony. Anthony, c'était quel, hein? Quand vous avez quel, essayez de imaginer, en fait, la signification. Hein? Donc, je sais que c'est pas facile, etc. Mais ici, c'est je sais que. Et après, elle le fait. D'accord? Très bien. C'est la bagarre. Que veut dire tout est fichu? Hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Michel. Vous me posez une question, deux questions. Je ne comprends pas vos questions, Michel. S'il vous plaît, expliquez-moi un peu mieux. C'est moi qui devrais boire plus de café pour être plus clair. Attention, attention. La troisième phrase. Première lecture, je voudrais simplement vous parler. Deuxième lecture, je voudrais simplement vous parler. Allez-y. Thank you.
Alors, vos réponses commencent à arriver. Yulia, pas de problème. Cosmina Bellou, c'est bien. Abir, c'est parfait. Berilla, c'est très bien. Mary, faites attention, Mary, parlez au infinitif, ER. Judith, je voudrais simplement vous parler. Ah, excusez-moi, attendez, pardon. Je dois cliquer en même temps, que ce soit plus clair pour vous. Voilà. Vous parler, Judith. Save the best, je voudrais simplement vous parler, c'est parfait. C'est la bagarre. Oui, Michel. Quand on dit c'est la bagarre, c'est un peu c'est la compétition entre les personnes, je pense. C'était pour dire que ça arrivait très très rapidement. Ensuite, Grace nous dit, je voudrais simplement vous parler. Attention, Grace, parler, il est en deuxième position ici, et donc il doit être à l'infinitif. Hein. On ne le conjugue pas, c'est-à-dire, je voudrais parler à vous. Faites attention, hein, le vous n'est pas sujet de parler ici. Hein. Le vous, c'est vraiment le complément d'objet indirect, donc le pronom. Je voudrais vous parler. I just called, même chose, je voudrais parler à vous, hein, donc parler infinitif. Tenzin, je voudrais simplement vous parler, c'est parfait. Ice Cubes, même erreur, faites attention, je voudrais parler, ER, hein, à vous, donc je voudrais vous parler. Victoria, c'est bien, je voudrais simplement vous parler. Yasmine, je voudrais simplement vous parler. Attention, Yasmine, parler, ER, vous n'êtes pas le sujet. Annabelle, même erreur. C'est une erreur assez classique, hein, pas de problème. C'est juste une question d'habitude. Michel, c'était bien. Anthony, la même erreur que tout le monde. Parler infinitif, hein, c'est pas vous le sujet. Oui, pas de problème, hein, Michel. Posez-moi toutes les questions. Je parle beaucoup, alors c'est pour ça. Attention, attention, l'exercice continue. C'est la quatrième phrase. Alors, la quatrième phrase, nous allons probablement la trouver. Alors, parce que je dois la trouver moi. Oui. On y va. Première lecture. Il n'était pas à la maison. Deuxième lecture. Il n'était pas à la maison. Allez-y. Alors, je commence à regarder ce que vous m'avez écrit. Mary, c'est bien. Abir, c'est bien. Yulia, c'est bien aussi. Sans les accents, mais c'est bien. Cosmina, sans les accents, c'est bien. Judith, avec les accents. Attention, Judith, c'est dans le mauvais sens. E accent aigu. Et pour le A, c'est dans l'autre sens. Hein. Il n'était pas à la maison. Save the best. C'était bien un petit espace. Save the best entre A et là. Ok. Beckert, c'est bien, oui. Annabelle, pas de problème. Berilla, faites attention, Berilla. Il n'était, c'est AIT. Hein. C'est juste la conjugaison. Phonétiquement, c'était parfait. Michel, bah écoutez, c'est parfait, Michel, comme d'habitude. I just called, c'était bien. Ice Cubes, parfait aussi. Tenzin, pas de problème. Yasmine aussi. Victoria, c'est bien. Grace, c'est bien aussi. Joseph, c'est parfait. Nakazi, c'est bien aussi. Et Anthony, c'est magnifique. Ouais, Berilla, merci pour la correction. Petite chose importante, hein, c'est que, alors excusez-moi, je vais vous mettre la version qui était la version là. Alors la petite chose qui peut être intéressante, c'est que ici, effectivement, vous voyez que j'ai traduit avec le singulier. Pratiquement, ce serait possible sans contexte. Je prononce de la même façon si c'est le pluriel. Hein. On est d'accord? Il n'était pas.
On pourrait imaginer ici le pluriel. Phonétiquement, c'est la même forme. D'accord? C'était parfait ce que vous avez mis. J'avais mis la même chose, mais ça pourrait être le pluriel ILS était E accent aigu TAIENT. Voilà. Continuons avec la phrase suivante. Première lecture. Il avait un garçon. Deuxième lecture, il avait un garçon. Allez-y. Alors, Mary est la première et c'est parfait. Jusqu'à maintenant, je vois. Alors, idéalement, si vous avez ça sur votre clavier, on devrait avoir, comme vous le voyez, le CCDI. Si vous ne l'avez pas, c'est pas très très grave. Mais normalement, si vous écrivez, vous devriez mettre la CDI. Donc là, c'était clair pour tout le monde que nous étions dans l'imparfait, donc il avait, AIT. Après, la structure était assez simple. Un garçon, oui. Alors attention, Anthony, Anthony garçon, c'est pas avec un S, hein. Phonétiquement, ce serait tout à fait correct. Mais ici, c'est avec un CCDI. Alors, Ice Cube demande, comment est-ce que nous comprenons si la phrase est, attendez, au singulier ou au pluriel? Alors oui, Ice Cube, quand une phrase est comme ça, c'est-à-dire juste il et avec le verbe pour l'imparfait, on n'entend pas. Là, on n'entend pas la différence entre le singulier et le pluriel. Donc ça veut dire que finalement, c'est contextuel. Premièrement, c'est contextuel si ça n'est pas possible de sentir la différence. Si vous avez, comme dans cette phrase, la phrase que nous avons, c'était il avait un garçon. Ici, je ne fais pas de liaison, Ice Cube. Je dis, il avait un garçon. Là, c'est singulier. Si c'est pluriel, je peux faire la liaison. Ils avaient. Vous voyez? Donc, je n'entends pas, avec le verbe, je n'entends pas que c'est le pluriel, mais je fais la liaison et c'est clair. Ils avaient un garçon. Je sais que c'est ILS et pas IL. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles les liaisons sont aussi importantes. C'est la possibilité de voir la différence entre le singulier et le pluriel. D'accord? Pour cet exemple-là. Alors, ensuite. Oh mon Dieu, est-ce qu'on le voit déjà le prochain? Alors, on va faire le suivant. Et le suivant, ce sera, regardons. Attendez, voilà la phrase. Il sera déjà là. Il sera déjà là. Thank you.
Alors, vos réponses arrivent déjà. Regardons, regardons. Donc voilà. Vous voyez que, alors si vous êtes des puristes, vous mettez les accents, si c'est possible, à déjà, comme vous le remarquez. Bon, si vous pouvez pas, c'est pas la fin du monde. Pour là, c'est un petit peu plus important. Oui, Mary, il faut mettre l'accent sur le A de là, parce que sinon c'est l'article, hein, la voiture, la tasse de café, etc., etc. Donc, on va considérer que c'est important de mettre l'accent si c'est possible. Berila, déjà, regardez, ouais, vous mettez l'accent sur le E de DDD, déjà, et puis l'accent sur le LA aussi. Comme vous voyez, ça fera la différence entre celui-ci et l'article. Pour les autres, je crois que c'est assez bon, pas de problème. Mémorisez bien, essayez de vous souvenir, juste pour les accents. C'est toujours utile. Après, vous essayez de vous en souvenir. Mais si vous oubliez, c'est pas très 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 grave, hein. C'est pas le plus important. Alors, regardons la phrase suivante, si c'est possible. Oui. Attention. Première lecture. Elle a eu confiance en lui. Deuxième lecture. Elle a eu confiance en lui. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Nakazi nous pose la question, pourquoi là au lieu d'ici? Nakazi, normalement, on devrait dire ici, mais vous remarquerez si vous allez en France, si vous êtes en France, que beaucoup de personnes utilisent ici ou là d'une façon assez flexible. Mais comme vous avez dit, normalement, on devrait dire ici, mais on utilise assez facilement là aussi. Voilà. Ensuite, alors regardons maintenant la réponse. Je regarde ce que vous m'avez écrit. J'essaye de vous le mettre ici. Vous le voyez ici. Donc, elle a eu confiance en lui. Faites attention pour. Ouais. Judith, si vous écoutez bien, j'avais utilisé ici la préposition en, hein. Avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Donc, elle a eu, ça c'était bien pour tout le monde apparemment. Confiance, oui. Regardez, regardez. Victoria, faites attention, confiance, hein, c'est phonétiquement c'était bien pour vous, mais on écrit F, hein, comme vous l'avez mis. Ah oui, vous l'avez mis, c'était correct, excusez-moi, c'était les autres, ceux qui ont mis avec un E. Yasmine, vous avez mis avec un E, faites attention. Berilla, avec un E, faites attention. Elias, attention aussi. Donc le reste, oui, c'était pas à lui, hein, faites attention, mais c'était la nasale, hein, c'était en lui. Elle a eu confiance en lui. D'accord, pour le reste, je pense que c'est à peu près correct. Joseph avait dit en lui, faites attention, c'est pas en lui, hein, c'est vraiment avoir confiance en quelqu'un. Donc, elle a eu confiance en lui. Donc là, c'est bien. On continue avec la prochaine phrase. Et attention, première lecture. Elle avait du mal à manger. Deuxième lecture. Elle avait du mal à manger. Allez-y.
Alors, vos réponses commencent à arriver. Je crois. Attendez, ça va très rapidement. Ça va très rapidement. Donc, Mary, c'était bien. Mounsif, faites attention, c'était du, hein, du mal, Mounsif. Cosmina, c'est bien. Abir, pas de problème. Yulia, c'est bien. Bickert, c'est bien. Tenzin, attendez, je suis obligé d'aller. Faites attention, Tenzin, c'était du mal. Attendez, je vais cliquer là aussi. Voilà, elle avait du mal, comme vous voyez sur votre écran. Berilla qui nous dit elle avait du mal à manger, c'est bien Berilla. Ruka, pas de problème. Judith, c'est bien aussi. Attention, Judith, le verbe manger, infinitif, hein, à la fin, avec un R. Elle avait du mal à manger. Sin, si tu sais bien. Yasmine, ouais, faites attention, Yasmine, c'est elle. C'est pas avec un A, mais c'est avec un E. Elle avait du mal à manger. Joseph, c'est parfait. Anthony, c'était bien. Annabelle, regardons, elle avait du mal à manger, c'est bien. Diconeste, elle avait du mal à manger, c'est bien. Diconeste. Victoria, elle avait du mal à manger aussi. Bah, écoutez, c'est formidable. Oh, mon Dieu. Alors, Michel nous pose la question. Oui, alors c'est même chose, Michel. C'est une bonne question. Donc, il écrit, regardez le commentaire de Michel, si vous voulez. Elle avait du mal à manger. Donc, ici, on l'écrit au singulier. D'accord? Si on l'écrit au pluriel, le verbe va être prononcé de la même façon. Elle est prononcée de la même façon, mais vous faites la liaison. Donc, singulier. Elle avait du mal à manger, pluriel, elles avaient. Et c'est là toute la différence. Elles avaient du mal à manger. Avec la liaison, Michel, j'entends juste la différence entre le singulier et le pluriel. Voilà. Donc comme ça, il y a une liaison ici, hein. Elles avaient. Il y a une liaison entre le elle et avait. Hein. Si vous ne la faites pas, c'est votre décision, mais normalement, Michel, vous devriez la faire. Hein. Faites attention. On fait la liaison, oui, pour le pluriel ici. Voilà, très bien. Alors maintenant, regardez, on va quand même peut-être avancer un tout petit peu. Oui. Alors souvenons-nous. Que nous avions commencé dans le cours précédent l'utilisation de ne avec aucun ou le féminin ne aucune. Juste pour que ce soit très clair, on va refaire les quelques phrases que nous avions faites au début. Comme ça va être assez rapide. Donc, encore une fois, on les refait et logiquement, il n'y a pas d'erreur. Allez, s'il vous plaît, traduisez-moi ça. Alors, c'est à peu près le même ordre. Julia qui fait exactement la même erreur que tout à l'heure. Hein. La même erreur. Aucun au masculin, ami au féminin. C'est la même erreur. Maintenant, je m'en souviens. Save the best, attention, on est au singulier. Aucun. D'accord, et il y a qui répète son erreur, d'accord, c'est une boucle. Tous les autres, c'est à peu près correct. Bickert, faites attention, c'est aucun ami, et c'est le masculin, donc ami, regardez, je vous le mets ici, c'était au masculin, logiquement, ça devrait être clair pour tout le monde. Mohamed, s'il vous plaît, oui, alors il écrit en capital, pourquoi pas. Très bien. Regardons maintenant la prochaine. «
Habir est la première. Aucune idée, c'est le féminin, donc aucune au féminin. Berilla, n'oubliez pas la première partie de la négation. Je n'ai aucune idée. Hein. On essaye de faire du français qui est du français plutôt formel. Après, on peut prendre les libertés de retirer la première partie de la négation. Mais là, on va essayer de de travailler sur la langue standard. Donc, je n'ai aucune idée. Je pense que tout le monde le trouve. Oui, je suis en train de regarder. Annabelle, c'est bien. Yasmine, c'est bien. Michel, pas de problème. Anthony aussi. D'accord. Berilla fait la correction. Merci. Je n'ai Ruka. C'est bon. Allez, on continue avec celle-là. Si vous avez une bonne mémoire. Alors là, j'ai l'impression que vous êtes timide parce que personne n'écrit. Ou est-ce que vous avez peur? Alors, heureusement qu'Abir est là. Abir est courageuse. Je n'ai aucune chance. On l'avait vu donc juste avant et c'est parfait. Je pense que tout le monde s'en souvient. Chance, c'est féminin. Donc, aucune. On va le mettre au féminin également. Ruka. Attention, Ruka. Aucune au féminin. D'accord? Parce que chance, c'est féminin. Pas d'article. Alors là, c'est formidable. Hein. Personne ne met les articles. Kurt, attention, aucune féminin, d'accord, chance, c'est féminin, ah, Ruka a corrigé, bravo, bravo, Yasmine, donc qui nous met ça, chance, Cosmina Bellou, c'est bien, Anthony, faites attention Anthony, chance, c'est féminin, donc aucune au féminin, d'accord, allez, on continue avec ça maintenant. Alors Judith nous dit c'est difficile de savoir si c'est masculin ou féminin. Oui, je sais, c'est difficile. Mais vous savez, bon, c'est pas très grave si vous faites des erreurs de genre. En général, il n'y a pas de problème. Mais bon, essayez et puis vous allez voir, c'est une question de temps. Vous apprenez petit à petit. Voilà, donc ici, la chose à savoir, c'est qu'on est en train de parler de livres, l'objet que l'on lit, et donc c'est masculin, c'est un livre. Donc, nous allons utiliser la forme masculine aucun, et là je regarde, et à peu près tout le monde l'avait dit. Alors Judith avait mis le féminin, bon c'est pas grave, hein, si vous mettez le masculin, aucun. Andy, faites attention Andy, c'est le masculin, aucun, d'accord, je n'ai aucun livre. Dikonès, c'est pareil, masculin. Mohamed, c'est pareil, masculin, s'il vous plaît. Ensuite, pour les autres, non, c'était correct. Victoria, attention, c'est masculin, un livre. Michel nous dit bouquin, c'est masculin et c'est je n'ai aucun bouquin, c'est parfait aussi. Cincy, tout fait attention, livre, c'est masculin, donc c'est un livre, aucun livre. Anthony, même erreur, masculin. Alors, Ruka qui est désespéré, qui dit non, livre c'est masculin. Bon, c'est pas grave. Dikonest, même chose. Hein. Masculin, masculin, je n'ai aucun
livre. Alors, regardons avec la prochaine phrase. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Oh, nous ne savons pas. Alors, les premières réponses sont déjà arrivées. Je vais vous offrir ici à l'écran la bonne réponse. Je n'ai aucune difficulté. Si vous n'avez pas l'accent, pardon, sur votre clavier, ben, c'est pas grave, mais idéalement, vous avez un accent aigu à la fin de difficulté, une difficulté. Attention, Bickert, on utilise les substantifs, on utilise les mots et pas les adjectifs. Je n'ai aucune difficulté. Donc, maintenant, nous savons que difficulté, c'est féminin. Une difficulté. Alors, regardons Annabelle. Ouais, faites attention, Annabelle, c'est féminin. Aucune difficulté. Anthony, c'est aussi féminin, aucune difficulté. Victoria, c'est féminin, aucune difficulté. Pour les autres, Tenzin, ouais, féminin aussi. Berilla, c'est féminin aussi. Judith, c'est féminin. Bon, c'est pas très grave, c'est pas grave, hein. Ne vous stressez pas avec ça. C'est juste pour votre information. Je n'ai aucune difficulté. Ça devrait être au féminin. Allez, on continue avec ça. Alors, Elias est le premier. Il nous écrit, je n'ai aucun regret. Elias, regardez, nous avons écrit la même chose. Youpi, youpi. Nakazi, faites attention, regret, c'est masculin, et donc ce sera aucun. Alors attendez, parce que ça arrive très vite. Je dois revenir. Ensuite, on avait Joseph. Joseph, c'est parfait. Save the best, attention, save the best, regardez sur l'écran. Aucun regret. Hein, c'est la même chose en fait. En français, regret, on le prononce à la française. Et c'est masculin, un regret. Sin-Situ qui nous dit je n'ai aucun regret, c'est parfait. Wondergirl qui nous dit bonjour, bonjour, participez. Julia qui décide de nous écrire ça comme Édith Piaf le chantait. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Mais on n'utilise aucun ici, Yulia. Donc, je n'ai aucun regret. Yasmine, je n'ai aucun regret. C'est parfait. Bickert, je n'ai aucun regret. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Andy, faites attention, Andy. On va utiliser toujours, toujours les substantifs. Pas les verbes. Pas les verbes. Donc, je n'ai aucun regret.
D'accord. Ruka, c'est parfait. Habir, c'est parfait. Mohamed, c'est presque parfait. Mohamed, regardez. Regret, on l'écrit juste ET à la fin. Judith, même chose. ET à la fin pour regret. Cosmina, c'est parfait. Annabelle, c'est très bien. Andy qui corrige son erreur, c'est bien. Victoria, c'était bien. Michel, très bien. Oui. Le pluriel, là, on pourrait en discuter, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'ai. Faites attention, Anthony. Anthony, c'est regret et c'est masculin. Aucun regret. Berilla, c'est parfait. Tenzin, c'est bien. Jay, attention, Jay, regardez à l'écran. C'est regret, ET, et donc c'est masculin. Donc, aucun regret. Je n'ai aucun regret. Jenny, même chose, hein. Regret singulier, ET, et donc c'est uniquement le aucun masculin singulier. D'accord. Wonder Girl, je suis Philippine. Très bien. Ça n'était pas la question. Et Deaconess qui nous dit, je n'ai aucun regret, c'est parfait. Allez, on continue avec ça. Je vous attends. Et là, c'est formidable. Je vois que ma mission est remplie puisque tout le monde, jusqu'à maintenant, je pense, m'a donné la bonne réponse. Félicitations, vous avez compris, hein? C'est formidable, non? Vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, nous sommes d'accord que possibilité ici, ben, c'est féminin. Donc, ça veut dire que nous utilisons aucune, le féminin, je n'ai aucune. Possibilité. C'est incroyable, c'est formidable, je suis un homme heureux. Alors, attention, je ne sais pas s'il y en a encore un. Si, attention, on va voir maintenant, on va voir. Sinon, je vais pleurer si vous faites des erreurs. Alors, moi, le conseil que je vous donne, c'est de rester au singulier. Je ne sais pas pourquoi vous voulez mettre le pluriel, s'il vous plaît. Restons toujours au singulier ici pour cette notion de aucun. C'est beaucoup plus simple. Donc, on a fruit. Fruit, on le met et on l'écrit comme en anglais, c'est-à-dire fruit. Donc ça, c'était pas un problème. Joseph, ouais, Joseph a corrigé son erreur. Donc, on reste sur fruit. D'accord? Et après ça, vous déterminez le genre de fruit. Fruit, ben c'est masculin finalement. Donc, aucun au
masculin, singulier ici, je n'ai aucun fruit. D'accord? Donc je n'ai aucun fruit, je pense que la plupart d'entre vous l'avez trouvé. Alors je n'ai pas de regrets au pluriel. Oui, mais Michel, pour le aucun, c'est beaucoup plus simple de le mettre tout simplement au singulier, parce que si vraiment c'est la négation ultime, là, hein, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Et donc au final, on est sur une notion de singulier. Alors je regarde, je n'ai aucun fruit, je n'ai aucun fruit, aucun fruit. Eh ben voilà, tout le monde. Okay, oui. Alors, youpi, nous écrit Baker. Alors, on verra. Ça, c'est juste pour terminer. Dites-moi, ben finalement, je me demande si. Continuez la phrase, s'il vous plaît. Alors, apparemment, vous voudriez voir pour le aucun et le pluriel. Bah, écoutez, on pourra faire des exercices au pluriel si vous voulez. C'est la même mécanique, c'est-à-dire que l'idée, c'est de juste de mettre le pluriel, un S pour le masculin et un ES pour le féminin. Dans la majorité des cas. On va utiliser le singulier. Mais bien sûr que c'est possible si dans certaines situations vous préférez utiliser le concept du pluriel et utiliser aucun, c'est la même mécanique. C'est-à-dire que comme Michel avait proposé, on peut le mettre au pluriel. C'est votre décision, mais souvent, en général, on va quand même principalement utiliser le singulier. Alors, regardons ce que vous m'avez écrit. Attendez, qui est le premier? Donc, je crois que c'était Judith. Judith, je me demande si faire connaissance, comment je peux faire. Ah non, d'accord. Ah, très bien, c'est autre chose. Judith a écrit deux choses en même temps. Alors, Annabelle, je me demande si c'était important. Ben, c'est parfait, c'est parfait. Ensuite, Jenny nous dit, je me demande si un jour, je peux arriver à écrire français, à écrire en français. Mais bien sûr. Regardez Jenny, c'est ce que vous faites, vous écrivez parfaitement. Elias, je me demande, attention Elias, c'est avec un A, hein, je me demande, si j'ai bien compris, c'est parfait, pas de problème. Le verbe, faites attention, hein, avoir, hein, si j'ai, donc J apostrophe AI, parce qu'en fait vous utilisez ici le verbe comprendre au passé composé. J'ai compris. Tu as compris, etc. Julia, je me demande s'il m'a complètement oublié. S'il a oublié, donc ici c'est le passé composé, et vous allez juste mettre votre pronom, s'il m apostrophe a complètement oublié. Nakazi, je me demande si je dois, DOIS,
aller au marché aujourd'hui. Anthony, je me demande si j'ai bien compris. C'est la même chose, Anthony, avec un A pour demande et j'ai AI. Ruka, je me demande si j'ai laissé le réfrigérateur ouvert. Ben, c'était parfaitement écrit. Et j'ai cliqué trop fort, je vous ai perdu. Ensuite, je ne sais plus où je suis maintenant. Attendez, Rouka, c'était là. Oui. Bickert, je me demande si je veux être heureux toute la journée. C'est un petit peu bizarre comme structure pour aller avec je me demande si, Bickert. Peut-être réécrivez la phrase, je n'ai pas bien compris. Andy, je me demande si vous pouvez. Pouvez, vous allez conjuguer, hein, Pouvez, m'apprendre le français. Oui, avec plaisir, c'est ce que je fais maintenant. Michel, je me demande si je pourrais corriger mes propres fautes d'orthographe en français un jour. C'est difficile de corriger ses fautes d'orthographe. Et même pour un français, rarement on voit ses fautes. Il faut quelqu'un d'autre peut-être. Mais si vous y arrivez, c'est une bonne indication. Et je pense que vous pouvez y arriver, mais pas intégralement. Je crois qu'on ne peut pas vraiment corriger toutes ces fautes. Joseph, je me demande s'il sera difficile d'apprendre le subjonctif. C'est mécanique le subjonctif, Joseph. C'est vraiment mécanique. Il faut juste comprendre. Et apprendre mécaniquement toutes les structures qui appellent le subjonctif. Joseph, les Français sont les premiers à faire des erreurs avec le subjonctif. Donc, relativisons. Mohamed, je me demande si un jour je parlerai le français. Oui, vous parlerez le français, Mohamed. C'est une promesse. Deaconess, je me demande quelle différence entre les CD et le COI. J'ai fait des vidéos sur le COD, le COI. Et c'est très clair. Sinsitu, je me demande si je peux dormir. Ça sera très bien. Alors, Berilla, je me demande si je dois boire de l'eau. Je n'ai aucun café. Oui, il faut boire beaucoup d'eau. Victoria, je me demande si je peux retourner à Paris cette année. Oui, vous pourrez. Ensuite, Zacharia, je me demande si tu pouvais m'aider à apprendre le français. Ben, c'est ce que je fais actuellement, Zacharia. Tenzin, je me demande si j'apprends le français. Attention, le français, pas de E à la fin. Toujours, je peux améliorer bientôt, mais bien sûr. Ensuite, Yasmine, je me demande si tout va être mieux. Oui, tout, Yasmine, Tout, pas de S, hein. Ensuite, Andy, je me demande si vous pouvez aller au déjeuner ce soir, d'accord? Aller, infinitif, Andy, ER à la fin. Judith, COD, COI. C'est difficile, c'est normal, mais c'est juste, c'est pareil. Essayez de comprendre et pratiquez, entraînez-vous. Et finalement, bah écoutez, voilà, c'est parfait. Donc, c'est la fin de notre cours pour le moment. Alors, attendez, hop là, nous allons remonter tout en. On a fait énormément d'exercices ce matin. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 22 avril. Nous avons eu un premier cours à 10h. Nous avons eu également un deuxième cours à. Bon, c'était 11 heures, tout ça c'est élastique. On va s'arrêter maintenant, ce sera les quiz après. Vous pourrez faire les quiz, je vais les lancer. Et puis le cours Zoom, il est à 4 heures. Et les exercices comme aujourd'hui, comme maintenant en direct, c'est à 17 heures. Tout ça c'est l'heure de Paris, donc essayez de vous adapter. Juste avant de vous libérer, s'il vous plaît, dites-moi de quel pays êtes-vous? Comme ça, je vois un petit peu où sont mes étudiants. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Et à tout à l'heure. Au revoir. Dites-moi d'où vous venez, s'il vous plaît. D'où venez-vous?